Allô? Allô, allô? Bonjour tout le monde, bonjour les filles. Comment va votre morale? Comment ça se passe? J'espère que tout le monde sent bien. Hello everybody. Привет, девчонки, всем. Надеюсь, что не скучаете. Il faut rester toujours active. Malgré tout, comme je le dis, stratégie, c'est quoi? Celui qui a eu des entreprises ou celui qui a l'entreprise. Et il faut manager tous les jours. Il sait que seul moyen, c'est de d'être coupé de l'extérieur. Et quoi que ce soit, il faut continuer. Voilà. Et il faut toujours profiter le temps pour avancer. Et tous les jours, il faut faire un pas en avant. Tous les jours, sans exception. Bon, peut-être un dimanche. On peut se reposer. Voilà. Et un jour, quand on va tout construire parfaitement, on peut se permettre 2 jours de repos. Pour l'instant, on est à 6 jours par semaine. Tout le monde bosse chez Kalinka. Ainsi que les élèves. Comment va votre morale aujourd'hui? J'espère que vous êtes en forme. Il ne faut pas dire malgré tout. Comme je dis, on n'a pas de guerre. C'est déjà énorme et immense. Après, la vie, c'est normal, ça arrive. On a des hauts, des bas. Comme d'habitude, au travail, dans des relations, avec les parents, avec les enfants, c'est toujours pareil. Donc, il ne faut pas faire attention, il ne faut pas s'affaiblir moralement s'il y a des situations de l'extérieur qui arrivent. Au moment où nous pouvons continuer à vivre, c'est déjà énorme. C'est quand, il y a quelques années, j'ai dû sauver mon entreprise parce que quand j'ai créé mon innovation et il fallait le fabriquer, j'ai trouvé un fabricant, donc on a fait plein de conférences. Les gens ils étaient satisfaits pour acheter Kalinka 3D. L'institut était déjà basé sur ça. L'école était basée sur ça. J'ai fait droguer plein de mes consommatrices avec mes styles Kalinka 3D. Et un jour, le fournisseur il a dit, en fait, vos produits, il est très très dur à fabriquer. Ça, c'est la vérité. Et ben, on va plus le fabriquer. Comment c'est? Mes esthéticiennes, elles étaient choquées. L'école, les consommatrices ne savaient plus quoi faire. Donc, on travaillait déjà avec tout ce qu'on pouvait. Et on attendait. Et puis, il fallait que je monte en Chine 3 semaines à l'improviste. Et c'était une grande décision. Et j'avais acheté le billet aller sans retour. Et je me suis dit, je vais y aller. Et je ne sais pas comment. Mais je suis obligée de faire ma mission, je suis obligée de trouver cette solution, de résoudre le problème et je retourne de la Chine uniquement avec un fournisseur qui sera d'accord pour me fabriquer mes nouveaux styles innovants. Et lorsque j'étais en Chine, il y avait des moments, pas des moments, quand je dormais dans l'hôtel seul chaque nuit. Comme c'était une distance immense, je me suis retrouvée peut-être première fois dans ma vie seule comme un loup. Ça m'a fait réfléchir des choses et voilà ce que j'ai compris. En fait, il y a des solutions à tout. C'est pas toujours facile à les trouver. Parfois, les solutions, elles étaient super faciles et ma solution n'était pas si compliquée que ça. Vu que j'ai traversé des milliers de kilomètres pour venir voir mes fournisseurs chinois qui sont superbes, qui sont adorables comme tout, parce que j'ai de la chance, je pense, je sais pas. Mais ils ont tellement apprécié mon déplacement, ils ont dit, mais on ne savait pas que c'est si rien que ça. Mais bien sûr, Olga, on va tout fabriquer pour vous. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que il n'y a aucune situation qu'on ne peut pas régler. Et si la situation, elle n'est pas réglable, ça veut dire que ce n'est pas ce chemin, eh ben, on va prendre un autre chemin. Il y a toujours des solutions. Mais il n'y a pas aucune solution quand quelqu'un qui est malade au quatrième stade du cancer. Là, je vais vous dire, il n'y a rien qui peut sauver, il n'y a rien qui peut aider. Donc, au moment où on est en bonne santé,
on a deux yeux, deux mains, deux jambes, on fonctionne bien, même il y a les gens handicapés, et ils sont beaucoup plus positifs que nous qui ont tout. Voilà, donc, en restant positif, tout ce qui se passe en ce moment, on croise les doigts que ça va se terminer au plus vite, à condition que les gens le respectent. Parce que plus les gens ils vont négliger et vont sortir se promener à gauche et à droite, plus ça va continuer et plus ils vont prolonger le quarantaine parce qu'il n'y a pas le vaccin pour l'instant. S'ils trouvent le vaccin, ça sera une solution. Ok. Voilà, donc, il y a des solutions à tout. Et quand vous avez ces moments-là, quelqu'un qui dit « je ne sais pas quoi faire », c'est faux et ce n'est pas vrai. Donc, première, deux jours, trois jours, oui, le cerveau, il reste choqué. Comme après n'importe quelle situation, mais à partir du quatrième jour, il faut se concentrer, retrouver cette concentration. Il faut placer votre taux et votre énergie sur quelque chose productif. Quelque chose qui va vous rapporter plus tard. Et sachez que, voilà ce que j'ai compris aussi dans ma vie professionnelle, c'est que quoi que ce soit vos efforts, n'importe ce que vous faites, même si vous faites tous les jours un peu, mais tous les jours un peu, un jour, boum. Bonjour Sophie. Et ça vous donne le résultat. C'est obligé. Il n'y a pas aucun acte qui était fait, aucun effort sans retour. Pourquoi ? Parce que c'est une question de l'énergie. On ne va pas s'approfondir dedans parce qu'aujourd'hui, notre sujet, c'est la franchise simplifiée Kalinka. Et qu'est-ce que c'est ? Donc, pour comprendre tout ça, on va le voir. Comme vous avez compris, chez Kalinka, vous pouvez étudier en école présentielle. C'est une formation classique que tout le monde, toute la planète connaît. Maintenant, il y a une nouvelle sorte de formation, la formation école en ligne Kalinka, qui est très très bien équipée et entourée avec des vraies personnes, qui donnent des résultats extraordinaires, l'école mixte. Et on a quatrième formation qui s'appelle école des franchisés. Alors, qu'est-ce que c'est et pourquoi ce projet était créé? Lorsque j'ai commencé à donner des formations à l'époque, déjà les formations à l'époque, elles étaient rien que si la cible, 10 jours le cours individuel. Mes premières élèves, elles peuvent confirmer. Et c'est pour cela que toutes mes élèves, elles sont les plus brillantes, les plus fortes pour deux raisons. Parce que c'est une formation de longue durée et parce que je suis sur cet élève, 10 jours, je ne la lâche pas. Et ce n'est pas que 10 jours. 10 jours de pratique à l'institut avec moi. Mais qu'est-ce qui se passait après? Donc, il se passait après que les élèves, elles avaient toujours le droit de me contacter encore et après pour des questions, toutes les questions qui arrivent concernant travail avec des clientes, les produits, les techniques, marketing, publicité, toutes les questions. Et chaque élève, elle a besoin le renseignement et mon expérience dans tout ce domaine-là. Parce que c'est bien d'être un bon peintre. Et vous le savez très bien qu'il y en a plein de gens qui sont super doués, talentueux, des chanteurs, les gens qui chantent extraordinaires, les gens qui dessinent, tout ce que vous voulez. Mais pourquoi il y a plein de peintres, plein de musiciens qui restent pauvres? Parce que pour réussir, gagner de l'argent, il n'y a pas que bien chanter. Il n'est pas suffisant que de bien coller les cils. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là, en moment ou à condition où vous êtes indépendant. Donc si vous êtes déjà placé dans une structure, dans un institut de beauté que vous étiez envoyé pour la formation, oui, vous saurez vous concentrer uniquement sur votre métier, comment coller les extensions de cils. Mais si vous êtes chef d'entreprise en même temps, donc 50% vous êtes un peintre, mais 50% vous êtes commercial. Et c'est ça que les esthéticiennes, elles ne rendent pas compte, et c'est ça qu'elles ne veulent pas faire, elles n'aiment pas. Et c'est normal, parce que c'est fatigant.
Et quand on vient dans un métier et quand on se met en entreprise individuelle, on ne pense pas à tous ces côtés-là. On s'imagine uniquement le travail avec la clientèle, être en clientèle. Mais on ne s'imagine pas qu'il y a la publicité derrière, les marketing, les sites, Instagram, Facebook, gnagnagnagna. Mais heureusement que ça existe. Imaginez-vous, quelques années en arrière, il fallait absolument se mettre avec une vitrine pour pouvoir trouver des nouvelles clientes et après attendre bouche à oreille. C'est tout ce qu'il y avait. Sinon, il fallait faire quoi ? Un magazine, un journal ou la télé. Bah, aucun institut de beauté ne peut pas se permettre la télé. Aujourd'hui, il ne faut pas le voir en négatif. Il faut voir ce côté, 50% de ce côté, en positif. C'est une possibilité facile, avec très peu de moyens, mais il faut savoir comment le faire, qui va vous générer votre clientèle régulièrement et tout le temps. Parce que nouvelle clientèle, si vous voulez agrandir votre institut, vous avez besoin tout le temps. Parce que les clientes, oui, avec la méthode Kalinka, elle reste, la durée de vie de cliente professionnelle, elle est de 5 ans chez nous. Mais il y a des clientes qui changent la région, d'autres elles peuvent avoir des difficultés professionnelles, financières, elles arrêtent, ou encore autre chose, pour tel ou autre réseau, elle est obligée d'arrêter temporairement ou complètement, définitivement. Voilà, donc on a toujours besoin de cette clientèle. C'est pour ça que toujours j'ai expliqué ça à mes élèves. Et non seulement après la formation, quand elles m'ont contacté des heures, des mois, pour demander comment il faut coller des cils, mais aussi elles me demandaient comment il fallait donner la pub, comment il faut chercher les clientes, et comment il faut faire des vidéos, les photos, et donc à l'infini. Donc si vous voulez ce concept de l'esthéticienne franchisée, elle existait déjà. C'est parce qu'elles étaient jamais annoncées officiellement, si vous voulez. Mais le projet, c'est pas le projet. C'est un fonctionnement normal et habituel après la formation qui existait chez moi. Et au départ, le projet, il s'appelait Kalinka Club. Mais le problème de ça, c'était de transmettre l'information. J'ai beaucoup un grand volume de transmettre d'informations pour bouger la personne en avant. Mais individuellement, ce n'était pas possible parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Et je suis restée au téléphone avec certains, mais je ne pouvais pas tout donner de A à Z pour chaque personne en individuel. Ce n'était pas possible. Et grâce à l'année dernière, la construction de l'école en ligne, grâce à cette plateforme pédagogique en ligne qui m'a permis de construire les formations en ligne dans les cils, mais aussi construire marketing niveau 1, marketing niveau 2. Là, on est en train de construire marketing niveau 3 selon l'évolution de mes franchisés. C'est tout est dans le temps réel. Et donc, il y a des gens qui viennent, les filles qui n'ont jamais fait autant d'entreprise, la pauvre, elle ne sait même pas comment il faut le faire. Elle a plein de questions. Et rien que pour petites choses, vous pouvez perdre une semaine, 10 jours ou même un mois. Par contre, si vous avez quelqu'un qui est expérimenté et qui a passé déjà le chemin, il vous dit exactement tous les jours. Voilà, aujourd'hui, on va créer le statut auto-entrepreneur. Comment ? Comme ça. Oh, ok, vous avez des difficultés, allez contacter notre comptable. Ok, vous avez besoin d'une assurance professionnelle, voilà le numéro de téléphone direct pour l'assurance ou le tarif est déjà négocié. Vous ne pouvez même pas trouver moins cher. Tout est déjà prêt. Même comment il faut faire les photos, comment il faut les publier, comment il faut faire les vidéos, comment il faut les publier. Le montage du site, le montage de Google Page, etc. Il y a encore beaucoup de choses, le travail qui est proposé derrière. Même faire la carte de visite ou faire un dépliant. Regardez combien de temps vous allez mettre. Déjà, vous ne savez même pas quoi mettre dedans. Donc, vous allez faire premier essai, vous allez envoyer à l'imprimerie, vous recevez, vous dites « Oh, mais j'ai pas pensé à ça. Oh, il y a les fautes d'orthographe. Et ça. » Mais
Parfois, les gens, même carrément, ils oublient de mettre leur numéro de téléphone ou un chiffre qui n'est pas bon, ou il y a un problème de l'adresse, ou dans l'adresse mail, ou n'importe quoi. Et qu'est-ce qui se passe? L'argent périmé dans la poubelle. Le niveau de design, si vous prenez quelqu'un, c'est minimum 150 €, quelqu'un qui va faire vous faire le design. Et encore, il faut trouver cette bonne personne qui est compétente. Parce que le problème maintenant, partout au monde, c'est que tous les web designers, ils disent « je suis un designer ». Il est constructeur de quelque chose, ce que vous devez lui indiquer et dire. Mais designer pour moi, c'est comme un ma designer qui se trouve en Sibérie, qui a 5 ans d'université d'études dans le design, qui a étudié chaque couleur. Avant de commencer à me sortir le design de ma marque pour mes produits, pour mon site, rien que la couleur, au début, on a eu la conversation pendant 3 heures. Elle ne voulait pas commencer le travail avant qu'elle m'a questionné. Elle m'a obligé de raconter l'histoire d'où Kalinka est venue. Pourquoi ce nom? C'est quoi le concept? Qu'est-ce que je mets dans les racines? Pourquoi je l'ai créé? Et nanana. Quand elle a compris ça, c'est à partir de ce moment-là où elle a commencé à dire ça c'est carré, le rond, ça va pas. Ça c'est cette couleur. Et voilà la couleur mauve. Qu'est-ce que ça signifie? Et voilà ce qui vous correspond. Tout ce que vous faites de grande qualité, de haute qualité. Alors, on va donner un aspect de luxe et de haute de gamme. C'est la personne qui a fait 5 ans d'études dans l'université. Ce n'est pas un designer graphique qui a étudié la construction du site. Ils ont des idées. Oui, il faut apporter un design. Mais ce n'est pas un design étudier et calculer. Donc, même si vous allez payer un designer de préparer un flyer, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui va vous faire tout avec une étude. Même c'est plus intelligent de prendre quelqu'un qui a fait le journaliste, hein, comment ça s'appelle en France, le métier, les Russes et les russophones, vous savez, le journaliste. Au moins, la création du texte sera intelligente et en valeur. Il y a aussi ce côté-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le concept esthéticienne franchisée Kalinka Star, c'est tout qui est compris. Et je n'ai pas que Olga Designer en Sibérie pour le visuel. J'ai aussi d'autres personnes qui sont diplômées universitaires, qui sont très intelligents et qui savent ce qu'ils font. C'est tout exactement, même mon personnel, c'est pareil que moi. Tout ce que je fais, tout est structuré, tout est étudié. Il n'y a rien qui s'est mis au hasard. Même les textes qui sont sur le site ou les explications pour chaque produit. Oui, peut-être vous pouvez encore rencontrer certaines fautes orthographes parce qu'au départ, c'est qui fait la création du texte? Il n'y a que moi qui peux le faire. Pourquoi? Parce que je préfère que ça sera un peu militaire parce que c'est moi qui écris, je suis un peu militaire, mais au moins, c'est l'information vraie et ce dont vous avez besoin. Et après, oui, j'ai quelqu'un qui répond pour corriger les fautes d'orthographe. Mais parfois, j'ai pas toujours le temps. Il faut mettre l'information maintenant et aujourd'hui. Mais un tout petit peu plus tard, ça sera corrigé. Bref, c'est la preuve que ce sont des vrais textes qui sont réfléchis, qui ne sont pas faits par quelqu'un, maître, juste. Ça s'appelle le contenu. Vous savez, si vous venez faire un site internet chez quelqu'un, ils vont vous dire, mais donnez-moi un contenu, je n'en ai pas. Ah d'accord, vous savez ce qu'ils font les web designers ou les agences de publicitaires? Ils ouvrent tous les sites qui existent, dizaines, ils prennent un morceau ici, un morceau ici, un morceau, et disent, voilà, votre site, il est prêt. Ça vous ressemble même pas, c'est même pas un site personnalisé. Voilà. Donc le concept franchisé Kalinka Star aujourd'hui, il est déterminé, il est décortiqué en plein de des blocs. Chaque bloc, il a des petits morceaux que vous bénéficiez tous les jours, tous les matins, vous réveillez et vous avez bonjour. Aujourd'hui, on va faire l'assurance de votre société. Comment il faut faire? Eh ben voilà le numéro. Nanana. Donc c'est très facile. Aujourd'hui, on va apprendre comment il faut faire les photos pour les cils. Quelles photos sont mieux vues et quelles photos surtout il ne faut pas publier.
Même rien que sans ces conseils, déjà, si vous publiez les photos avec les scotchs partout, scotchés, et je ne sais pas, avec les charlottes, plein de choses, rien que déjà à cause de ces photos, les photos sombres, flues, rien qu'à cause de ces photos, même si vous êtes super prothésiste de cils, ça fait peur. Les gens, ils peuvent imaginer de n'importe quoi. Même presque, ils vont dire, mais il n'y a pas de... Ils vont s'associer peut-être avec autre chose. Il n'y a pas d'hygiène ici. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est bizarre ça. C'est quoi ça? Mais où est-ce qu'elle travaille cette fille? Alors que c'est même pas une fille, peut-être c'est chef d'entreprise qui a pris le crédit à la banque, elle a eu le courage d'ouvrir son institut avec la vitrine, etc. etc. Donc, il faut savoir se mettre aussi en valeur pour ce que vous êtes. Comme vous pouvez vous mettre en valeur, en vrai, comme vous pouvez être en valeur, mais vous ne savez pas vous mettre, et vous donner une fausse visuelle qui vous fait que les clientes ne vous téléphonent pas. Ok, donc c'est pour ça que la franchise simplifiée Kalinka Star, c'est votre partenaire qui est expérimenté et qui a déjà pensé à tout et qui vous donne aujourd'hui, comme au restaurant vous êtes venu et vous êtes servi. Premier plat, deuxième plat, le dessert, entre les desserts, après, etc. Vous, vous êtes là qu'à le manger. Par contre, il faut tout manger. Il ne faut rien laisser dans votre assiette. Ok. Grâce à nos demandes, grâce à notre déjà évolution de l'entreprise, etc. Aujourd'hui, il y a 4 types de franchises simplifiées Kalinka Star. 4 types de franchises Kalinka Star. Et pour qui? Donc, on va le voir. Donc, Kalinka s'est développé dans 4 sortes de franchises simplifiées. Première, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Vous étiez une élève, vous êtes sorti après, vous êtes perdu, etc. Pour ne pas être perdu, donc vous pouvez signer un contrat et vous pouvez suivre la méthodologie pas à pas pour arriver à ce que vous voulez arriver. Donc, ça s'appelle esthéticienne franchisée Kalinka Star. Vous pouvez commencer la formation chez vous, à votre domicile. Vous pouvez même, c'est 1 mois de formation. Et après, vous avez 2 mois l'entraînement sur des modèles. Donc, vous avez 3 mois pour s'entraîner et en même temps déjà commencer à chercher où est-ce que vous allez partir. Vous avez 2 solutions. Soit vous trouvez quelqu'un, un institut en freelance, pour débuter doucement en pourcentage, comme ça vous n'avez pas de stress et vous n'avez pas de risque. Vous avez gagné, tout le monde gagné. Vous n'avez pas gagné, personne n'a rien perdu. Après, on donne toutes les meilleures combines à proposer aux instituts et ce que aussi l'institut il va bénéficier avec l'esthéticienne franchisée Kalinka Star. Voilà, soit vous avez grand courage, moi aussi j'ai eu des franchisés, par exemple comme la mienne à Strasbourg, non je crois pas Strasbourg, d'autres villes, à chaque fois j'oublie, bon pas loin de là-bas, la mienne elle a eu le courage, même si elle avait des infos, c'était une esthéticienne diplômée, mais elle a pris son crédit, elle a pris Kalinka Star, la franchise, elle s'est lancée, elle a fait son cabinet. Elle a tout suivi à la lettre. Elle n'avait pas peur de mettre les tarifs Kalinka. Et qu'est-ce que ça a donné le résultat? Le résultat est tel qu'elle a attiré que les dentistes, les avocats, les femmes qui ont des moyens pour ce niveau de tarifs. Donc automatiquement, déjà, elle n'avait pas les femmes ou les filles qui changent des instituts non-stop et non-stop. Elle a vite évolué, alors que ce n'est pas une énorme ville. Voilà. Donc, par exemple, cet exemple-là, et vous pouvez vous lancer avec votre institut directement. Je crois qu'elle n'a même pas de vitrine. Elle a tout fait exactement comme l'institut Kalinka chez nous à Cannes. Vous avez d'autres possibilités. Par exemple, vous êtes un salon de coiffure, vous êtes un salon de beauté,
où vous avez un spa, où vous avez un hôtel, n'importe. Là où il y a des femmes, elles peuvent vous demander faire des extensions du cils. Et si vous avez déjà vos esthéticiennes, donc vous pouvez vous engager avec Kalinka pour envoyer votre esthéticienne à la formation chez nous. Donc on va la former de A à Z. Et vous allez travailler avec notre savoir-faire, nos produits dans votre établissement. Quel pack qui existe pour chaque franchise, je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, l'avantage pour des instituts, c'est exactement comme j'ai fait le contrat avec des songes de Cannes, c'est que le directeur de l'institut, il m'a dit, ce n'est pas mon métier les extensions de cils, et je n'ai pas le temps de s'occuper ou de chercher un fournisseur à droite, la formation à gauche, le savoir-faire, combien il faut mettre les prix, tout le concept. Il dit, moi, ça me convient, Kalinka. Pourquoi? Parce que vous êtes entière. Vous avez un projet prêt sur un plateau. J'ai qu'à m'engager et je casse pas la tête. C'est Kalinka qui va te faire. Et voilà, donc à Desonges, à Cannes, ça se passe super bien. Déjà, ils ont fait leur premier l'été, ils étaient super contents. Ils ont dit que pour l'été, celui-ci qui arrive, bon, maintenant c'est un peu peut-être perturbé, mais en espérant que les touristes ils vont venir comme d'hab, parce que sinon, ils ont bien prévu d'augmenter les tarifs Kalinka, tellement ça s'est super bien marché chez eux. Maintenant, on a formateur agréé Kalinka Star. Ça existait déjà. J'ai réussi dans ma carrière, tant qu'esthéticienne des extensions de cils moi-même, j'ai réussi à former mes esthéticiennes et mes élèves qui travaillent aussi bien, aussi fort que moi. Et c'était la question, est-ce que je vais réussir à former quelqu'un qui va pouvoir former d'autres personnes comme si c'est moi qui l'a formé. Et oui, j'ai réussi aussi. C'est vrai que pour ça, ce n'est pas chaque personne qui est capable et ce n'est pas chaque personne qui peut venir et dire, Olga, j'achète la franchise et je vous donne les cours. Non. Merci beaucoup. J'ai besoin vos preuves. Parce que dès le départ, il faut comprendre la philosophie des cours, de l'école, la racine de l'école Kalinka, d'où elle est venue. Quand j'ai eu beaucoup de succès, j'étais devant un choix. Est-ce que je garde ce succès que pour moi et je vais refuser du monde ou peut-être je vais partager ce succès avec quelqu'un qui est peut-être en ce moment avec deux enfants, dehors, dans des difficultés, peut-être c'est une personne étrangère qui pleure dans la rue, elle est douée, elle est capable, elle veut travailler à tout prix dans un monde, bon endroit, bien protégé, mais elle n'a pas la chance. Et j'ai eu comme ça ma première employée, c'était l'imprimerie avec qui on est lié jusqu'aujourd'hui, de grec, à qui j'ai donné la chance et qui m'a assumé le travail à la perfection et qui m'a remercié et jusqu'aujourd'hui elle est contente, elle a apprécié cette chance plus que vous pouvez vous imaginer. L'imprimerie, ce n'est pas un seul exemple et ça m'a fait comprendre, j'étais contente que j'ai réussi à sauver cette vie avec des enfants et à quelqu'un qui était à l'étranger sans aucun espoir. Même je ne veux pas dire d'autre travail qu'elle a dû faire temporaire alors que c'était une esthéticienne diplômée. Donc, la question était, est-ce que je vais partager mon savoir-faire et quelqu'un qui puisse au moins profiter de tout ce que j'ai fait, apprendre, découvrir, de mon savoir-faire? Soit ça va rester avec moi, et si demain, après-demain, il se passe quelque chose avec moi, ça va mourir. Donc, ce n'est pas logique quelquefois, et je me suis dit, c'est trop.
Cette idée, elle est partie, elle continue jusqu'à aujourd'hui. Et comme par hasard, j'attire toujours des filles qui ont toujours dans des difficultés financières très difficiles, qui viennent et qui comptent sur moi et comptent sur ma formation. Donc, elles trouvent ces 2000, 3000 euros à tout prix. C'est très difficile pour elles. Elles donnent cette dernière argent. Non seulement en espérant, mais elle est sûre de moi que avec ce diplôme qu'elle va sortir, elle va partir, elle va super bien gagner sa vie. Donc, comment vous voulez que je sais que la fille, elle me donne peut-être son dernier argent, et même ses enfants peut-être privés, pour son meilleur futur, où moi, je peux la planter. Donc, si c'est pas moi qui donne les cours, mes professeurs, il faut qu'ils soient aussi responsables, il faut qu'elles respectent cette mentalité, il faut qu'elles gardent ça dans sa tête tout le temps, pour pouvoir continuer et reproduire exactement le même résultat que moi. Aujourd'hui, j'ai déjà des stratégies et la pédagogie qui est tellement facile pour moi, mais qui n'était pas facile pour arriver. Donc, je peux former les élèves facilement par quel cas. Je sélectionne les professeurs qui sont nés être professeurs. Donc, il faut avoir deux qualités. Première qualité, vous devez avoir votre propre expérience qui m'a prouvé et qui vous montre que vous êtes passionné par votre métier, que les clientes sont très contentes et que votre travail, elle est à 100% à la Kalinka. Ainsi que, deuxième qualité, qui est aussi primordiale, c'est que vous me prouvez que vous êtes passionné pour donner des cours et c'est surtout que l'élève qui est en face de vous, vous n'êtes pas indifférente pour son futur et pour les conséquences et pour le résultat qu'elle va donner. Donc, ça vous plaît même de voir cet élève déjà dès le départ comme la personne qui a déjà réussi. C'est ça la stratégie de pédagogie chez Kalinka. Et lorsque je sélectionne cette personne, oui, je peux lui donner le droit de reproduire la copie des cours Kalinka. C'est pour ça que jusqu'à présent, j'ai déjà trouvé quelques personnes qui m'ont bien assumé des formations. Et lorsque les personnes n'ont pas assumé, parce qu'au départ, elles ont fait bien et après, certains qui commençaient à tricher, ben, elles ne sont plus avec moi. Si je découvre première fois, deuxième fois, troisième fois, c'est fini définitivement. Ce n'est pas possible de mentir à une élève ou de cacher l'information et de ne pas donner la formation entièrement parce qu'elle ne pourra pas réussir si la formation n'est pas complète. Donc, les professeurs, elles le savent, elles s'engagent, elles signent un contrat, elles savent que les conditions entre nous, elles sont beaucoup plus hautes que ce simple contrat à signer. Donc, c'est simple comme tout. L'expérience, un an, et la preuve que vous êtes honnête et vous êtes passionné pour rendre successful les autres personnes. Et là, vous pouvez devenir formatrice indépendante Kalinka par chez vous, dans votre centre, même si vous avez un cabinet sans vitrine, mais il faut que ça soit un local professionnel. Voilà. Ou vous êtes en freelance, c'est pas grave, vous êtes autorisé pour des cours individuels. Sinon, pour des cours collectifs, si vous avez l'espace pour 4 élèves. Après, si c'est plus que 4 élèves, vous n'avez pas le droit de dépasser parce que physiquement, c'est très difficile d'assumer plus que 4 élèves. Je l'ai fait jusqu'aux 6 élèves, je crois, une fois dans mon expérience seule. Je n'ai jamais voulu refaire. Déjà, c'est très difficile pour la professeure. Et c'est surtout pour la prof. Et ça risque que la professeure, elle ne sera pas aussi attentive pour tout le monde. Donc, j'ai peur que le résultat ne sera pas parfait. 4 élèves maximum par seul professeur. Sinon, après, il faut rajouter une autre professeure agréée Kalinka de l'extérieur, ce qui est aussi possible chez nous. Et quatrième
type de franchise simplifiée, c'est centre de formation certifié Kalinka Star. Par exemple, si vous êtes à une école d'esthétique, si vous êtes centre de formation, tout ce qui est en esthétique, ça peut être en Glorie, ça peut être aussi les cils, mais vous voulez vous reconvertir avec une marque qui est complète et qui a possibilité d'avoir plus de 10 types de formations, 10 techniques avec les produits faciles, parce que même donner des cours, c'est très facile pour les formateurs. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent maintenant. Alléluia, merci Kalinka pour sortir nous les produits, parce que même nous, tant que professeurs, c'est facile à donner des cours avec les produits du volume russe sec. C'était la catastrophe de tout ce que les élèves elles faisaient, et même la professeure n'était pas capable à refaire certains modèles, il fallait tout enlever. Bref, c'était pas cool pour personne. Maintenant, vous avez la marque qui est complète et qui est facile pour l'élève comme pour profession. Donc, si vous avez, même si vous êtes un institut de beauté, par exemple, nous, on va bientôt faire à Nice avec une chef d'entreprise que j'ai beaucoup aimé comme a conseillé par mes raisons, et une fille qui est très sérieuse. Elle m'a dit tout de suite qu'elle voudrait donner des cours parce qu'elle a un espace qui permet d'avoir 4 élèves. Elle a moitié de son centre. Elle voudrait faire dermopigmentation les cours. Elle voudrait faire les extensions de cils. Et lorsqu'elle a entendu de Kalinka parler de Kalinka, et elle est venue vers moi, elle m'a dit tout de suite, je ne veux pas donner des cours moi-même. J'ai pas le temps pour ça. Mais je voudrais bien le projet prêt. Le concept, le programme et le professeur. Et j'ai entendu parler que chez vous c'est possible. Et c'est ça que je recherche. C'est possible? Oui, c'est possible. Donc, si vous avez un institut de beauté et avec un espace suffisant pour 4 élèves, on fait le contrat ensemble, on met votre adresse, on commence à faire la communication que à Nice, vous pouvez aussi étudier, telle adresse, voilà les sessions de formation, et ça sera uniquement avec une professeure de chez Kalinka. Donc Kalinka, elle vous fait organiser tout, le programme, le concept, la publicité, ainsi que la professeure. Donc, au final, le résultat, ça sera quoi pour des élèves? Ça sera la même chose à Cannes, Le Havre, au Valence, à Paris, Nice ou Bordeaux. Parce que Kalinka, elle assume le résultat par ses professeurs qui ont étudié sur certains avec moi. Il n'y a pas aucun professeur qui forme par contre des autres professeurs. C'est moi-même qui les forme. Voilà, maintenant, il va rester pas beaucoup. Donc, on va vite. Si vous voulez comprendre les détails, combien ça va prendre de temps pour la formation, etc., je vous propose de se rendre sur Kalinka Shop, dans la partie de formation, et vous trouvez les franchises, et vous allez voir plus de détails. Tout ce que je voulais vous dire, c'est parler rapidement des tarifs, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont intéressés par ça. Alors, Mira, et si on veut devenir professeur formé par vous? Attendez, je comprends pas bien la question. Si on veut devenir professeur formé par vous? Mais c'est ce que j'ai dit. De toutes les manières, pour devenir professeur, vous allez passer par moi. Et c'est inévitable. Pour que je sois sûre et je dors tranquille. Donc, esthéticienne franchisée. Ok, une question. Je veux que ça soit vous qui me formiez. Ah, pour vous former tant que professeur ou tant qu'esthéticienne, l'élève, juste. Donc, j'ai bien répondu. Ok. Après, regardez, ne vous inquiétez pas, même si pour professeur, oui, donc je vous ai répondu à la question, mais si même si vous êtes une élève simple,
quoi que ce soit, même si vous avez acheté votre cours à 24 euros, ou vous étiez formé avec Michel dans le Havre, vous êtes toujours connecté avec moi. Et moi, je vois qu'est-ce qui se passe, et je vois tous les devoirs, et je vais vous demander après de m'envoyer de tout ce que vous faites. Donc, vous êtes quoi que ce soit, maintenant, tout le monde, même les élèves, sont connectés avec moi et je vois de tout ce qui se passe. Il n'y a pas que mes professeurs. Donc, pour la franchise, esthéticienne franchisée, vous avez le pack, donc la formation mixte. Donc, vous étudiez chez vous et vous venez après pour un examen de minimum de 6 techniques. Donc, au départ, on fait starter avec 6 techniques. Et vous venez avec pour l'examen où vous allez passer obligatoirement par moi et ma professeure qui forme uniquement des franchises, c'est Marie. Marie, c'est celle qui vous renseigne. Mais vous allez passer par nous toutes les deux. Donc, le pack de formation, il coûte 3 449 euros avec 1 000 euros inclus des produits. Et vous avez 150 euros la consommation des produits mensuels. Voilà, pour tous les autres détails, vous contactez Marie après cette téléconférence. Ensuite, établissement certifié. Vous avez le pack à 5 449 euros, mais avec une clause de garantie assurance de remplacement. Et vous avez le droit d'envoyer 12 élèves en même temps. Par exemple, je sais pas, vous êtes un salon de coiffure où vous avez beaucoup de monde et vous voulez former deux esthéticiennes pour être sûr, pour qu'elles puissent alterner, etc. Mais quoi que ce soit, même si vous avez formé deux esthéticiennes ou une, n'importe. Une des esthéticiennes, par exemple, elle tombe enceinte, elle vous quitte, elle change la ville, elle abandonne le travail, vous travaillez plus ensemble. Nous, on vous reforme la personne, une autre personne que vous allez remplacer sans payer une autre franchise. Donc, c'est inclus pour des salons de beauté. Maintenant, si vous voulez devenir formateur agréé Kalinka, pour des cours individuels ou pour des groupes de 4 personnes avec si vous avez l'espace pour 4 personnes. Donc, vous avez le tarif, ça s'appelle achat de licence pour 2 ans pour des cours individuels ainsi qu'un groupe avec l'espace de 4 personnes et droit de la distribution de produits en même temps. Donc, sachez, comme vous êtes professeur et vous êtes le distributeur en même temps tout de suite. Donc, ça va vous coûter 4 449 euros avec le kit des produits qui est inclus pour 4 000 euros. Donc, ça vous coûte en gros la licence pour 1 000 euros. Et 4 000 euros, vous commencez à distribuer chez vous sur place et vous allez les rentabiliser. Au final, le droit, ça va vous coûter seulement 1 000 euros. Après, vous avez centre de formation certifié. Par exemple, vous êtes un centre esthétique, école d'esthétique, par exemple. Vous avez, c'est la même chose, c'est 4 449 euros. Et on va vous envoyer une professeure. Soit vous devez former quelqu'un, mais ça va vous prendre un an. Vous pouvez former, par exemple, déjà quelqu'un de chez vous. Elle sera assistante de formation pendant un an, jusqu'à ce que... Mais il faut qu'elle pratique tous les jours pour qu'elle puisse, dans un an, remplacer la professeure expérimentée de chez Kalinka qui sera envoyée dans votre centre pour chaque session de formation. Voilà. Donc, j'ai vu, il y avait des questions. Oui, tous les mois, c'est 150 euros par mois à partir de 3 mois après. Parce que vous avez 1 mois de formation et vous avez 2 mois d'entraînement sur des modèles.
Et à partir du quatrième mois, vous commencez déjà à consommer 150 euros par mois des produits. C'est ça la franchise simplifiée Kalinka. Donc ce n'est pas des franchises à l'ancienne, lourdes, où on vous fait beaucoup de pression. C'est très simple, c'est lié à petite consommation, à la petite consommation mensuelle des produits Kalinka. C'est simple comme tout. Et vous avez déjà le kit des produits pour 6 techniques pour votre entraînement lors de votre formation inclus dans ce kit. Ainsi que je vais vous donner le code promo aujourd'hui pour tout le monde qui m'ont écouté jusque-là, pour votre motivation et tout le monde qui sont restés jusqu'au bout. Alors, la formation à 3000, ça dure combien de temps? Vous parlez des franchises ou vous parlez de... je suppose la forme des franchises. Quoi que ce soit, esthéticienne franchisée, vous êtes employé, vous êtes envoyé par votre patron ou vous allez étudier chez vous. S'il vous plaît, voilà, parce que mon écran est devenu sombre. Ok, la formation des franchisés, c'est un mois parce que vous avez 6 techniques. Et après un mois, vous avez le marketing et vous avez l'entraînement sur des modèles tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour se perfectionner. Et c'est vos premiers modèles qui vont devenir vos modèles qui vont devenir vos premières clientes. Et après, on va commencer la recherche des clientes et vous allez passer aux clientèles dans 3 mois. Ok, de toutes les manières, comme je vous ai dit, n'importe quelle question. Poser ces questions à Marie, mon assistante, c'est elle qui gère, c'est elle qui répond aux questions. Elle va vous trouver une solution meilleure, adaptée à votre situation. Elle sait toutes les formules qui sont possibles, donc c'est son métier, elle sait comment il faut faire. Elle va vous guider parfaitement. Tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je voulais vous communiquer le code promo avec moins 30%. Sur n'importe quelle franchise. Et cette promotion, elle va durer jusqu'à cette période qui est de l'extérieur de cette épidémie. Donc, s'ils vont prolonger une semaine, 2 semaines, donc cette promotion, elle sera automatiquement prolongée. Donc, vous avez le temps de réfléchir. Je sais que c'est une somme d'argent importante. Mais pour des personnes qui sont motivées, qui sont prêtes, tout est possible. Donc, vous avez 30% de réduction avec un code promo que vous devez nous communiquer. D'accord? Qu'on va vous dresser avant de l'acheter un pack. Vous devez nous prévenir et on va vous créer ce code spécialement pour vous. D'accord? Donc, en ligne, il n'y aura pas de moins 30%. Donc, le code promo, je vais vous écrire. Et vous allez nous communiquer. Là, on a 16 personnes qui regardent. Ça veut dire que maximum 16 codes promo. Ça va s'appeler franchise 30. F en majuscule. Donc, quoi que ce soit, vous dites franchise 30. Et vous allez communiquer ça à Marie, l'assistante de formation. Avant de payer, elle va me demander un code promo. On va créer un code promo spécialement pour vous. Et vous allez acheter n'importe quelle franchise à moins 30%. Est-ce que vous avez encore des questions où je n'ai pas répondu à certains? Les coordonnées de Marie sont partout sur kalinkashop.fr dans l'espace de formation. Sinon, dans ma story, je vais partager tout à l'heure. Tous les jours, je partage son numéro de téléphone. Vous allez le voir à la fin, d'accord? Et ne vous inquiétez pas. En pire cas, vous pouvez toujours me demander en privé. Je vais vous envoyer ses coordonnées. Donc, dites-moi si vous avez encore quelques questions. Donc, si vous n'avez pas de questions,
Je vous dis à bientôt. De toute façon, no stress. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me poser plus tard ou à Marie. Il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est que je vous ai communiqué le code promo et vous prenez votre temps tranquillement pour réfléchir. Laurence, vous êtes en train de décrire quelque chose, c'est ça? Oui, merci beaucoup Sandy. Oui, bah, je vous souhaite aussi pareil, hein, toutes les filles, prenez soin de vous. Mais c'est surtout rester en forme, rester dynamique. Comme je dis, le plus important, il n'y a pas de guerre à l'extérieur. Je pense qu'il ne faut même pas imaginer quelque chose ça dans notre vie. Voilà, ça va passer. C'est pas le pire qui pouvait arriver. Donc, ça va s'arrêter. Ça ne va pas continuer à vie. Ok, Mandy, pour acheter la licence, pour donner des cours, pour acheter licence, pour donner des cours de pas plus de 4 personnes, il faut impérativement avoir un local. Et est-ce qu'il faut pour cela que je sois formée manuellement? Et c'est-à-dire... Bah, si vous voulez devenir une professeure pour des cours individuels, vous devez être déjà avant tout l'esthéticienne franchisée Kalinka Star à nous. Afin que vous êtes déjà expérimenté, vous êtes déjà l'expérience dans les cils. Et en ce cas-là, ça va nous avancer au moins pour 6 mois. Parce que ce qu'il nous faut, c'est que vous avez votre propre expérience. Vous maîtrisez parfaitement toutes les techniques Kalinka. Et que vous avez quand même certaines vitesses, parce qu'il ne faut pas que vous donnez des cours et vous avez des mains qui tremblent, vous n'arrivez pas à avancer. Il faut quand même que vous avez... Parce que si vous n'avez pas votre expérience, tant que l'esthéticienne, vous n'allez pas pouvoir détecter des erreurs de l'élève. Ok? Voilà. Ok, les filles, écoutez... Posez-moi les questions à Marie et en privé parce que je serai mieux concentrée pour répondre plutôt qu'ici. Ok, Mandy. Tout ce qu'il nous faut, c'est garantir le résultat pour nos élèves avec vous. C'est tout ce que je désire, c'est tout ce que je recherche. Voilà. Sinon, tout le monde qui vient dans le cercle, dans l'équipe Kalinka, elles deviennent tous responsables, elles deviennent tous... ça leur change la vie dans le sens où elles disent « mais j'imaginais pas ça comme ça avant ». Parce que beaucoup de monde qui prennent des choses à la légèreté et ne pensent pas jusqu'à quel point chez Kalinka les gens deviennent responsables et elles fonctionnent complètement autrement. Ok, bah, je vous souhaite bonne journée. N'oubliez pas que demain, c'est pas à 15h, mais demain, c'est à 10h, la conférence en ligne sur une autre plateforme, en direct, qui va durer 3h. C'est une formation de 15 produits Kalinka prêts à poser en 50 minutes, volume russe, Kalinka et toute autre chose. Ainsi qu'il y a aussi des promotions à la fin, comme d'hab. Et c'est à 10h du matin, donc surveillez vos chats. Je vais vous mettre dans haut de mon Instagram tout de suite. Je vais vous accrocher le lien de l'inscription pour le webinaire demain à 10h. Ok, parce que ça ne sera pas à 14h. Alors, je ne trouve pas le lien pour acheter le kit pour le volume en 50 minutes, le kit de 60€. C'est quoi comme kit? C'est mini kit ou... Essayez de m'écrire, écrivez-moi, demandez Marie, d'accord? Je vous partage là maintenant, je vous partage tout dans, ses coordonnées dans la stories, ok? Demandez toutes les questions Marie, elle va vous tout trouver, ne vous inquiétez pas, d'accord? Ok fille, ciao, goodbye, всем пока, остаемся на связи, on reste en contact, mini kit, oui, c'est très facile. Elle va vous expliquer Marie, sinon envoyez-moi en privé, je vous envoie le lien direct, d'accord?
pour s'entraîner. C'est ça, c'est ça. Ok, et sachez que nous, on a notre DHL tous les jours. Demain, on a déjà encore du colis à expédier parce que nos élèves, elles avancent. Ok, les filles, ciao, parce qu'on a déjà dépassé une heure. Non, pile poil. Et donc, je vous dis à demain à 10h pour notre formation qui va durer 3 heures sur 15 produits. Ok? Et samedi, non, après-demain, et vendredi et samedi, c'est toujours à 15h. Sauf dimanche. Ok? Ciao. Ciao, ciao.